Et coucou Jean. Hey, bon allez, on va préparer le petit déjeuner et puis on part. Sur la route et je me dirige vers un de mes endroits préférés en Charente ici. J'ai super hâte d'y être, de pouvoir me détendre un peu au bord de la rivière. Essayer d'aller faire trempette si c'est pas trop froid. Mais surtout, d'abord, une petite heure de rando autour que j'ai jamais faite encore. Je suis arrivée, l'endroit pour se baigner c'est là, mais du coup je fais une boucle et je reviens. Ce qui est de la balade, je sais pas trop où je vais parce que j'ai plus de carte, puisque je n'ai plus de 4G. Plus de forfait comme on dit quand on était petit. Donc on va faire à l'œil, ça va que je connais un petit peu le coin. Ça faisait quelques temps que, dans le boulot, j'étais crevée. Donc je me suis dit, ce matin, c'est l'occasion de se reposer, en se levant à 6h du mat. En allant faire quelque chose qui change un peu d'habitude, une petite rando, tranquille. Donc on va continuer la balade, et puis petit déj, c'est surtout ça le principal. Pied de se balader sans personne, non? Normalement, on va là-bas, à l'église de Lichère, ça s'appelle. Et après, on ira par là-bas. Par contre, il y a déjà bien du soleil alors qu'il est tôt. En Charente, ils aiment plutôt bien mettre des éoliennes partout. C'est les cœurs de demoiselles au sol qu'on peut voir, comme à la maison. Et le nombre d'heures de travail qu'il y a sur ces cœurs de demoiselles, c'est ouf. Je suis un peu deg. Je voulais prendre la barque qui devait être normalement de ce côté, mais c'est pas possible.
Et j'ai essayé de tirer le fil à main nue, mais clairement, pas possible. Donc, ça sera pour une autre fois. On va retourner directement se baigner. Et manger, parce que j'ai faim. C'est hyper calme ici, il n'y a absolument personne, à part quelques... Ah non, c'est bon. Il n'y a personne pour l'instant et j'espère que ça restera. Et c'est vraiment mon endroit préféré ici en Charente, pour venir prendre l'apéro, ou juste prendre un petit bain. Je me suis pas trop baignée cette année, contrairement à l'année dernière. Mais là, j'y crois, là on va se baigner. Hein. Tous ensemble. Je sais pas s'il existe quelque chose de mieux que de prendre son petit-déj des onigiri au bord d'une rivière. Franchement, c'est parfait. La balade était un chouïa écourté, mais bon. Hein, au moins j'ai pu manger plus tôt. Et ça, c'est le principal. Parce qu'une hôte qui a faim n'est pas une hôte que vous voulez connaître. Il caille un peu quand même. Je vais essayer d'aller dans l'eau, mais je promets rien. Quoi de mieux que de profiter du moment présent en allant se baigner dans une eau très froide? Je suis pas sûre qu'il y ait mieux. Hein. pitié, rendez-moi les onigiri. Bon allez, on va se baigner. On va juste changer d'endroit parce qu'on est un petit peu à l'ombre et j'ai un petit peu beaucoup froid, donc je ne pourrai jamais me baigner. Donc on va se mettre au soleil. Comme convenu, c'était pas très chaud. Maintenant, il va falloir rentrer à la maison parce qu'apparemment, il y a une chef qui s'est échappée. Donc, on va s'occuper de ça cet après-midi. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade avec moi et que ça va vous inspirer à en faire une et à prendre soin de vous. Prendre du temps pour soi, c'est important. Il ne faut pas l'oublier, ne l'oubliez pas pour vous. Faites les choses qui vous rendent heureux. Prenez soin de vous.